Joanne Sophie, bienvenue à Mietersheim et bienvenue à Moselle TV. Merci beaucoup, on est ravis d'être là, en plus sous un beau soleil, pour découvrir Mietersheim. Alors Mietersheim, c'est un camping, c'est un étang, c'est une base de loisirs finalement. C'est tout ça en fin de compte, c'est un étang réservoir, donc c'est un étang qui a été créé dans les années 1870 pour justement abonder le canal en eau. Et dans les années 1950-60, il y a eu un camping municipal qui a été créé tout autour. Donc c'est un lieu de loisirs, c'est un lieu de pêche, c'est un lieu de plaisir pour toute la famille. Voilà. Plaisir pour toute la famille, on voit justement derrière nous, hein, vous avez pas mal d'activités, dont une structure gonflable au milieu de l'étang. J'imagine que les grands comme les petits doivent s'éclater tout l'été. Écoutez, c'est quelque chose qu'on a mis en place en 2015 et qui a prouvé son succès. Donc c'est un jeu aquatique gonflable sur l'eau où les personnes y vont sous protection, contrôlées par des maîtres nageurs, avec des gilets de sauvetage, avec au plus haut un plongeoir à 4 mètres. Hein. Donc on a une profondeur au milieu de l'étang de 4 mètres 50, 5 mètres, donc il n'y a aucun risque. Aucun risque. Aucun risque, tout est protégé. Et c'est une multiple activité qu'on peut faire. On a à côté, vous voyez, les canoës, les paddles, les mini-pédalos pour les enfants. On génial. A un terrain de volley-ball dans l'eau et d'autres activités qui sont un terrain de boule, comme tous les campings, hein, c'est indémodable. Oui, la pétanque, c'est voilà. Incontournable. Cette année, on a mis un jeu terrestre gonflable aussi pour les plus petits enfants qui n'aiment pas trop se baigner, pour qu'ils puissent aussi s'amuser. Un laser game pour les ados, pour toutes les familles. Ah ouais. On a un tir à l'arc, on a un tir à l'arc de combat. Et on a beaucoup d'activités sportives qui sont à côté, vélo, terrain de foot, pour justement, puisqu'on accueille aussi les colonies de vacances et les centres aérés de tout le secteur, pour qu'ils aient des journées pleines et épuisantes pour que les parents soient contents quand ils rentrent. Effectivement, vous avez mis le paquet sur les loisirs. Ça veut dire qu'en fait, on peut venir passer une semaine, deux semaines chez vous sans jamais s'ennuyer. On va de une journée à deux semaines. On a aussi voulu promouvoir le tourisme local, puisque c'est vrai qu'on est dans le territoire de Sarrebourg-Moselle-Sud et que les gens ont besoin de se ressourcer et d'avoir une journée d'activité. Donc on est resté dans ce principe où les gens du village, les gens du territoire peuvent passer une journée ici au camping et être en vacances, en famille. On a fait des gros investissements en 2019, juste avant la pandémie, ce qui sont à peine terminés cette année. Enfin, les gens peuvent profiter du site. Entièrement, on a créé des kiosques culturels, un kiosque pour un glacier, un petit restaurant de plage, un snack. Donc on a une activité multi-service sur le site pour toute la journée. Oui, de quoi s'amuser. Et en plus de ça, vous proposez donc l'hébergement. Vous avez différents types d'hébergement. C'est quoi? On est sur du camping-car, sur de la tente, sur du mobil-home? Je crois que vous avez tout dit. D'accord. Je crois que vous avez tout dit. On est sur un camping donc municipal. Il y a 250 emplacements place à l'année, où les gens viennent avec leur caravane ou leur mobil-home, ils le mettent du 1er avril au 30 septembre. On a encore une disponibilité de 50 emplacements comme ça. Après, on a une cinquantaine de places à tentes pour les tentes. On a un petit camping de 15 places pour les camping-cars. Et on a 10 chalets d'habitation légère de loisirs, donc des chalets entièrement équipés, climatisés, naturellement, et qui permettent aux gens de venir toute l'année dedans. Et on a investi cette année dans 5 mobil-homes, dont 3 au bord de la plage, qu'on loue à la semaine. Ou voir plus si les gens sont contents. Et alors vous disiez tout à l'heure que vous misez aussi sur le tourisme local, c'est-à-dire que quand on vient chez vous, on peut aussi aller visiter tout ce qu'il y a aux alentours sans forcément faire beaucoup de kilomètres. Ils peuvent rester à la journée ici tranquillement, ils peuvent se baigner bien sûr, profiter de toutes les animations, ils peuvent visiter le port, ils peuvent visiter les sites touristiques de Mietersheim qui sont quand même à la voir, qui sont la digue et des grandes promenades. On a deux circuits pédestres autour de l'étang. Pour les gens qui sont là la semaine, on a les grands sites touristiques de notre secteur qui sont le parc animalier, le train à Brechfiller, Falsbourg, plein d'endroits. Oui, donc voilà, on peut venir chez vous en vacances et trouver de quoi faire pendant plusieurs jours d'affilée sans jamais s'ennuyer. Sans problème. Après, il y a encore des possibilités, il y a des clubs de voile, d'aviron, qui font aussi des animations la journée. On a de l'autre côté de l'étang un endroit qui est réservé uniquement aux bateaux à moteur, donc il y a des clubs de ski nautique qui sont locaux et qui viennent, donc il y a la possibilité. Hein. On laisse même les gens venir avec leur paddle gonflable pour qu'ils puissent prendre plaisir. On a toujours voulu rester, j'allais dire, quelque chose de local pour que les gens du territoire puissent s'approprier le site. Donc ça leur fait un peu de la plage à la maison. Petit détail supplémentaire, c'est que vous avez été déclaré réserve de biosphère et ça, on va en parler avec Philippe Sornette dans quelques instants, juste le temps de le rejoindre.
que Mittersheim a été déclarée réserve de biosphère. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Alors, la réserve de biosphère concerne tout le territoire de la Moselle Sud, donc le pays de Sarrebourg et une partie du Saulnois. Et c'est très signifiant pour nous parce que ça reconnaît une qualité intrinsèque des territoires et ça nous donne aussi une responsabilité pour l'avenir. C'est-à-dire que toutes ces zones de riche biodiversité, accumulées, façonnées par nos ancêtres, sont aujourd'hui entre nos mains. C'est nous qui devons préserver le futur de notre planète pour nous, pour nos enfants, pour l'humanité ? Alors à notre échelle, oui. À notre échelle, sur notre territoire, nous avons cette responsabilité. Une réserve de biosphère, ça s'appelle Man and Biosphère, MAB. L'homme et la biosphère. L'homme et la biosphère. Et la partie humaine est très importante, puisque nous sommes sur une terre où le contact, on le sait, entre les différentes civilisations, cultures, a été très très important au cours de l'histoire. Et aujourd'hui, tous nos paysages ont été façonnés par l'humain. Tous, sans exception, sur notre territoire. Donc cette définition de réserve, pour nous, elle est primordiale. Et alors, si vous m'avez donné rendez-vous ici, au canal des Houillères, c'est pour une très bonne raison, puisque pour sensibiliser les touristes, que ce soit des cyclotouristes ou alors les plaisanciers, des panneaux photos ont été mis en place. C'est une manière de montrer encore une fois à quel point la nature est belle. Oui, ici nous avons sélectionné les plus beaux clichés, les plus représentatifs de la diversité, on va dire, quotidienne. Ordinaire, pour montrer les richesses aux plaisanciers, aux cyclistes, pour leur dire, mais là, vous êtes sur un site exceptionnel qui s'appelle le canal, avec les zones forestières, les zones d'étang, les zones de prairies, les clairières où vous voyez peut-être un renard, vous voyez peut-être des papillons. Alors, on a mis toute cette faune et cette flore en exergue le long du canal pour dire, mais il y en a encore plus. Voilà. Et nous en sommes conscients et nous essayons de la protéger et de la préserver pour vivre en harmonie entre agriculteurs et environnement, entre touristes et environnement, et pour que les générations prochaines, suivantes, puissent en bénéficier, puissent aussi aller se ressourcer, reprendre du contact avec la nature quand on est un citadin, ou se détendre, tout simplement. Tout simplement. Ce genre de panneaux, vous savez combien il y en a le long du canal ? Ça s'étale sur quelle distance ? Alors, l'exposition permanente est sur 8 km à peu près, et elle comporte une dizaine de panneaux, faune et flore. Donc il faut quand même, voilà, si on veut le faire à pied, il faut compter... Il faut 2 heures. Voilà, il faut compter un petit peu de temps, il faut être un petit peu sportif quand même pour la faire, cette exposition. Oui, parce qu'il y a l'aller-retour. Voilà. Donc ça fait... Oui, ça fait quand même 15 km hein, aller-retour. Donc à vélo, c'est parfait. Oui. Ah, en batellerie, oui, en plus ici, on est au bord de l'eau, un petit peu de fraîcheur, ça fait du bien. Sur un bateau, il n'y a aucun souci. Aucun souci. Comme quoi, on peut mêler tourisme et environnement, c'est tout à fait compatible. Oui, c'est ce qu'on appelle le tourisme diffus, le tourisme d'authenticité, de contact avec les gens du pays. Hein, au camping, vous avez aussi bien les touristes que les habitants de Mittersheim qui cohabitent très bien. Et ici, c'est la même chose. Ça profite à tous les publics. Bah, merci beaucoup, Philippe Sornette, de nous avoir présenté cette exposition photo et de nous avoir rappelé justement ce besoin de l'humain de reconnecter à la nature et de cette recherche d'authenticité. Merci beaucoup. Et moi, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain pour une nouvelle émission de la Tournée d'été.